toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la recette des madeleines girofle citron. Oui, alors pour les madeleines girofle citron, il nous faudra une base qui sera bien sûr du citron vert râpé. Oui. Et des clous de girofle moulus. Oui. Alors, on commence avec les ingrédients par 80 g de sucre semoule, 3 œufs, 100 g de beurre fondu, un demi-sachet de levure. Oui. En farine, il nous faut 8 ou 9 tonnes, non? Non, 200 g. 200 g, ça sera suffisant pour une quantité de combien de madeleines? Une quinzaine de madeleines. Voilà, il nous faudra ensuite 50 g de lait. Du lait, le lait que vous avez à la maison, que vous prenez au petit déjeuner. Ensuite, 3 clous de girofle, non, moulu. Et également l'équivalent de une demi-cuillère à café de zeste de citron. Citron vert râpé, que vous lavez et du non traité de préférence. Tu commences par fouetter le sucre avec les œufs. A tout de suite. J'ajoute les clous de girofle moulus et le zeste de citron vert râpé. Oui, on les met tout au début, ce qui permet d'avoir le temps d'infuser complètement dans notre préparation. Je finis. Maintenant, j'ajoute le beurre fondu. J'incorpore la farine. Tu as donc battu tes œufs pendant combien de temps avec le sucre? Pendant 2 minutes. Et lorsque tu insères la farine, tu mélanges tout cela pendant combien de temps? Pendant 2 minutes encore pour obtenir une texture homogène. Je finis par ajouter ma levure et le lait et je mélange. Deux minutes plus tard, c'est bon. Une fois que nous avons rempli tous nos moules à madeleine, nous avons enfourné tout cela dans un four préchauffé à 180 degrés. Donc là, on en a fait 18 pièces. C'est fonction de la taille de vos moules, bien évidemment. Hein. Si vous avez des moules en silicone, pas besoin de les graisser. Par contre, si ils sont en métal, vous devez les beurrer et les fariner. Pour pouvoir les démouler plus aisément. Non ? Direction ? Le four à 180 degrés. J'ai fait cuire mes madeleines pendant 15 minutes et elles sont prêtes. C'est une recette idéale pour le goûter mais aussi pour le dessert. Ça change de ce qu'on a l'habitude de manger comme madeleine. Alors sur tous les clous de girofle, il faut qu'ils soient bien moulus. N'oubliez pas. On vous souhaite un très bon appétit. On espère que cette recette vous aura plu. Reproduisez-la à la maison. N'oubliez pas de liker la vidéo. Abonnez-vous pour les nouveaux visiteurs. Allez visiter notre page Facebook Cuisine Facile Pas Cher officielle. Et nous avons aussi un compte Instagram du même nom Cuisine Facile Pas Cher. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Bon appétit. Ciao, ciao. Au revoir.